Moi, je crois que c'est lié à la nature de ces deux révolutions. Moi, je prends toujours l'exemple de la Tunisie et l'Égypte, toujours des deux révolutions, hein, qui ont fait démissionner deux dictateurs. Et ça, ce n'est pas rien. Hein, il y a un penseur tunisien qui s'appelle Mohamed Talbi, qui a dit, il s'agit là d'un événement fondateur dans l'imaginaire arabo-islamique sunnite. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Hein. Donc c'est véritablement un acte politique fondateur, et un acte de la souveraineté du peuple par la rue, pas par les urnes, mais par la rue. Hein. Ils ont fait partir un dictateur. Et donc il y a un avant et un après. C'est-à-dire aujourd'hui, les frères musulmans prennent le pouvoir dans le cadre d'une mutation de la culture politique des citoyens dans ces pays-là. Et les gens s'expriment sur le mode institutionnalisé, c'est-à-dire sur le mode des urnes, hein, des partis politiques, etc., et également sous le mode, ce qu'on pourrait dénommer la société civile ou l'espace public, dans lequel on s'exprime politiquement de différentes manières. On peut faire un mouvement social, on peut faire grève, on peut faire une manifestation, on peut créer une association, on peut créer une ONG, on écrit dans les journaux, etc., etc. La culture politique des gens a changé. Ça, c'est évident, en Tunisie et en Égypte. Et moi, je l'ai vu en Tunisie, en Égypte, notamment une fois les élections législatives terminées, et dans lesquelles les gens disaient, au fond, on a voté pour ces gens-là, on va leur donner leur chance. Hein? Mais si on n'est pas content d'eux, on votera pour d'autres. Mais de toutes les manières, la place de la libération est toujours là. Medan al-Tahrir est toujours là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les formes non institutionnelles du politique sont toujours là et on descendra dans la rue. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. C'est pour ça que moi, je dis, ce n'est pas lié à la question post-révolutionnaire, etc., etc. Non, c'est une mentalité générale, une culture politique générale qui a changé. Maintenant, on va voir également comment nos futurs dirigeants ou nos actuels dirigeants politiques vont respecter véritablement la libération de l'espace public ou pas. En Égypte, nous avons la direction de l'armée qui essaie d'étouffer un tout petit peu les choses. Ici, on a vu comment en Tunisie, par exemple, les islamistes ont essayé un tout petit peu de remettre en cause la liberté d'expression au niveau de la presse et de la télévision, mais elle a eu une résistance énorme, donc elle recule, parce qu'elle-même, la direction de Nahda, elle-même, elle est en train de pratiquer. Elle ne sait pas gérer, elle découvre ce que c'est que gérer un pays, gérer, etc. Donc, non, franchement, je suis assez optimiste de manière générale.